Bonjour à tous. 안녕하세요, 여러분. 아니크의 프랑스 이야기. 오늘은 여섯 번째 시간인데요. 지난 다섯 번째 영상에서 약속드린 대로 엠마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 3월 12일자에 행한 대국민 담화의 연설 중 주요 부분만 정리해서 연설문을 직접 들으시면서 번역문을 자막으로 보실 수 있도록 꾸며봤는데요. 자, 그럼 시작해 보실까요? Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Protéger les plus vulnérables d'abord, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques, ou de troubles respiratoires, de rester autant que possible à leur domicile. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises pourront reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. La coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je » que nous relèverons cet immense défi. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture, mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France.
네, 이상으로 지난 3월 12일에 있었던 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 대국민 담화 연설 중에 주요 부분을 정리하여 보았는데요. 도움이 되셨나 모르겠네요. 전체 연설 부분은 아래에 더보기에서 링크하시면 들으실 수 있고요. 저는 여기서 물러갈게요. 여러분 건강하시고 다음 시간까지 안녕히 계세요. Merci beaucoup et au revoir.